Oui, bonjour Sophie Dupont du dispositif Habitat Inclusif. Oui, alors pour rejoindre le dispositif d'Habitat Inclusif, il faut remplir une demande d'accompagnement. D'accord, bah, si vous souhaitez, je peux vous proposer un rendez-vous à votre domicile, comme ça je vous explique un peu le fonctionnement. Le dispositif Habitat Inclusif s'adresse aux personnes en situation de handicap ayant au moins un droit ouvert à la MDPH ou aux personnes âgées de plus de 65 ans. Donc, il faut que les personnes résident sur Berck ou souhaitent y vivre. Ensuite, on leur propose un accompagnement social spécifique à leurs besoins. Donc, ça peut être de l'aide aux démarches administratives, de l'aide budgétaire. Après, ça peut être de la mise en place d'aide à domicile. Par exemple, on peut les aider à faire les démarches pour une téléalarme, la mise en place d'un lit médicalisé au domicile. Donc, voilà, on s'adapte vraiment aux besoins de la personne. Tout au début, comme je n'avais pas de salle de bain aménagée, on cherchait un appartement aménagé, adapté. Puis en fin de compte, on a trouvé une autre solution pour mettre une salle de bain adaptée. Puis après, faire connaissance avec d'autres personnes et faire des sorties, voir autre chose que ces quatre murs, quoi. Le dispositif s'adresse aux personnes isolées, donc qui ont perdu l'habitude de sortir, de faire des activités. Notre objectif est de recréer une dynamique de vie sociale et partagée en leur proposant chaque semaine 2 à 3 sorties de groupe. Donc il y a tout type d'activités, ça peut être des sorties culturelles comme visiter le musée du Louvre-Lens, aller au cinéma, au bowling, on a déjà été à des concerts. On s'adapte vraiment au groupe et à ce qu'ils ont envie de faire. J'ai un studio, je vis seul et des fois ça m'arrivait de pas trop sortir. Après on m'a proposé de rentrer dans l'habitat inclusif pour justement pouvoir faire des sorties, faire des nouvelles rencontres et puis au moins ça fait du bien. Ouais. Ça change aussi que de rester chez soi ou voilà.